Je tiens à dire que avant que la vidéo commence, j'étais en pyjama parce que je venais de prendre ma douche. Donc c'est normal si je suis en pyjama, ok? C'est Matou 189. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo en fait de ce que je vais vous parler dans YouTubeur. Donc désolé pour la lampe, si vous voulez, je peux faire mieux. Non, bah je peux pas. Mais bon, aujourd'hui nous allons parler dans certains YouTubeurs. Bon, ça c'est mieux. Nous allons parler d'un certain youtubeur qui s'appelle Ismaboul. C'est un youtubeur de 2000, je sais plus combien d'abonnés maintenant. Mais la première fois que je l'ai vu, c'était pour mes 200 abonnés, je crois, ou 150, un truc dans le genre. Et si vous voulez, il vient, il commente, il dit GG pour les 130 abonnés, enfin pour les abonnés, voilà. Aujourd'hui, j'ai posté comme vidéo, enfin aujourd'hui, voilà. Merci pour les 230 abonnés. Voilà. Et il m'a réécrit un message. Je lui dis que ma prochaine vidéo parlerait de lui. Donc voilà. Dédicace à toi, Ismaboul. Donc on va un peu parler de toi aujourd'hui. Et c'est tout simplement parce que faut savoir que Ismaboul va sur les vidéos de tous les petits. Enfin, sur toutes les chaînes des petits youtubeurs. Et commente. Et dès qu'il voit, par exemple, merci pour les 100 abonnés ou quoi, il tout simplement vous dit GG, bravo, continue, voilà. Donc on va pas l'insulter, mais on va juste parler un peu de lui parce que faut savoir qu'il va, bah, comme je vous ai dit, sur toutes les vidéos de tout le monde. Moi au début je pensais que genre c'était un gars qui est venu au hasard sur ma chaîne et qui a dit GG, patati, patata, on s'en fout. Et en fait, mais là à ce moment je le savais pas, il avait quoi 1400 abonnés. Alors moi, bien évidemment, je me suis abonné parce qu'il était gentil et tout. Et après, je regardais sur Mathéo du 39, que je sais plus comment je l'avais vu, mais qu'avant, quelqu'un, je pense que c'était lui, logiquement c'était lui, avait fait cette intro pour lui. Et bon, elle est pas ouf. Moi je sais en faire mieux, c'est pour ça que j'en ai fait une. Et tout simplement. J'avais vu pour ses 70 abonnés en description qu'il y avait Ismaboul. Donc d'ailleurs là, l'intro qu'il y avait au début de cette vidéo, c'était une intro qui était aussi sur mon site. Donc bon, voilà, là je m'en foutais. Mais c'est qu'en fait, je ne vais pas l'insulter, on va dire. Mais Ismaboul, je pense qu'en fait, il fait ça pour gagner un peu les abonnés. Bon, il nous encourage, c'est bien. Mais il faut savoir qu'en fait, il fait quand même ça à tout le monde. Donc bon. D'accord, il n'y a pas de problème, voilà. Mais c'est que voilà, il fait ça à tout le monde. Donc je vois pas vraiment l'intérêt de faire ça. Ou limite, tu prends un autre compte, par exemple. Enfin, ouais, non, en fait, c'est pareil. Mais en gros, en tout cas, c'est comme sur Insta. Ma cousine, elle est abonnée à 5000 comptes pour avoir 1400 et des abonnés, juste pour en avoir beaucoup, quoi. Moi, je préfère. En fait, moi, je trouve. Et c'est mieux d'avoir, enfin sur Insta, plus d'abonnés que d'abonnements. Parce que sinon, ça ne veut rien dire. Tu vois. Bon. Voilà, donc revenons à Ismaboul. Perso, moi, c'est pas vraiment le type de vidéo que j'aime bien. D'ailleurs, je pense qu'il va mettre en commentaire en vidéo. Donc vous pouvez aller voir sa chaîne. J'ai la flemme de me mettre en description. Donc vous pouvez voir vraiment qu'il y a. Comme contenu, il y a du bon truc, mais c'est pas vraiment ce que j'aime. J'aime plus du gaming, moi. Après, chacun son style. Mais voilà. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je sais pas trop quoi dire en fait. Soit c'est pas boule, à part que il encourage vraiment les petits abonnés. Ça, c'est vraiment vraiment bien d'encourager les petites personnes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Mais je pense en plus qu'il est abonné à ma chaîne. Mais sauf qu'en fait, ce que je comprends pas juste chez lui, c'est qu'il met pas des commentaires sur toutes les vidéos, tu vois. Il met que pour les merci, pour les 200 abonnés, etc. Il met quasi tout le temps le même commentaire. Je vais mettre quelques petits screens à l'écran des commentaires qu'il peut vous mettre. C'est quasi tous les mêmes. Après, bon, voilà, il encourage les petites personnes. Mais je suis sûr, d'ici
3 mois, il sera déjà. Enfin, non, allez. Quelques semaines, il sera déjà sûrement 1000. Parce que je ne sais plus. Je sais pas combien il est. Un screen s'affiche juste là à l'écran. Mais ça se peut qu'il aille jusque très très loin. Vous voyez? Donc, faut savoir que si ça se trouve, plus il ira loin, peut-être qu'à un moment il arrêtera. Quand je disais qu'il arrêtera, c'est, je veux dire, d'aller sur les vidéos de petits youtubeurs qui ont entre 100 et 200 abonnés ou plus, mais en tout cas des petits youtubeurs. Et pas d'arrêter YouTube. Mais bon, ça, voilà, c'est à lui de choisir s'il veut continuer ou s'il veut arrêter. Mais voilà, donc Ismaboul, n'hésite pas à mettre des commentaires, à me poser des questions, parce que j'aimerais bien te parler un peu. Parce que, genre, une fois, je t'avais envoyé un message en disant que quelqu'un voulait me hack. Bon, il m'a pas hacké, heureusement. Je pense que c'était juste parce qu'il voulait la carte de PSN de 10 euros. Donc, c'est comme ça qu'on arnaque. Bon. En fait, c'est tout simplement parce que j'avais fait une vidéo ce que j'avais mis 20 euros dans Warface. Et il y a un gars qui a cru que je faisais gagner une carte de 20 euros. Et il disait qu'il allait me hack, même s'il m'a pas hack, juste pour avoir la carte de 20 euros, même si lui voulait 10 euros et que je pouvais pas avoir de l'argent. Donc voilà. Voilà, donc Ismaboul, n'hésite pas à mettre des commentaires pour en parler un peu. Je suis à toi après que j'aurai posté cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller suivre Ismaboul, même si je pense que si vous faites des vidéos, vous pourrez la voir très prochainement si vous mettez merci pour les tatata d'abonnés, ok? Allez, bon, voilà, bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.